Allez, à tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec le Scania Citroën 2014. Ce serait même mieux si on ferait de journée. Tiens. De journée, je dirais pas non. Bon, je vais te faire de journée, pas de nuit. Faut m'applaudir. Attention, on est déjà en 6ème à 40 km/h. Hein. À mon avis, on doit être en ZF et Comac. Hein. Je suis ZF et Comac, c'est comme ça. Oh non, zut, trompé de porte. Maintenant, ils sont rentrés à l'avant, c'est que je. Qui que c'est? Qui que c'est de ça? Bon, ok, le petit bug des familles, quoi. Ah ouais, même pas. Ah, ouais, donc. Ouais, qu'est-ce que j'ai un peu, t'en es déjà sur la une. Et attention, et je viens de s'en sortir pour la voilà, remarque. Ok, oui, vitesse pour un bus, ce serait excessif. On est tous d'accord, je passe au vert. On ne fait pas au vert, à la roche. On va continuer par deux. On va continuer la personne. On va se rendre à parce que l'autre est là. Allez, on va continuer par qu'il est joli ce Scania. Bon vieux, t'avances. Bon, un peu lourd au démarrage, mais bon, ça c'est Scania, ça c'est. C'est oui de GM14 ça. Vous en verrez pas d'autres comme ça. On n'arrive pas à 80, ça peut beaucoup en articuler. Non, ouais, je suis bien sur la bonne borde. Ça, parce qu'il a bon freinage. Il y a certains bus, ils mettent du temps à freiner, des. Oh bordel. Un peu plus de patates. Le truc que je déteste, oui, ok. Tant du français chez moi, non, trompé, juste que je déteste, c'est que vous voulez, dès que vous avez une porte, vous avez la voix qui frotte, enfin, que ça fait un peu sur tous les bus, mais sauf que sur celui-là, ça va mettre dangereux pour les passagers. Donc il y a les passagers qui commencent à se porter dans le bus. C'est fort bas là, c'est. Plus bas que les autres, regardez, attendez. Je dis que c'est fort bas, c'est. Waouh! Hey, je suis bien garé pour une fois aussi. Progrès. On progresse. Bon, allez, là je me ferme un peu la porte, ce sera encore mieux. Bon, on attend toujours impatiemment le nouveau bus sur Proto Bus Simulator. Mais bon. Je pourrais d'abord déjà faire une vidéo dessus, ce serait déjà bien. Bon, il y a un truc qui est déjà bien, c'est que je suis motivé pour faire des vidéos. Voilà, l'année passée, j'étais beaucoup moins motivé.
Plus j'avance dans YouTube, plus ça me motive. Au tout début, je veux dire, mes toutes premières vidéos, quoi, j'étais bof, bof motivé, parce que c'était le mec qui voulait faire une vidéo. Et puis, je me rappelle, il y avait une période où j'avais lâché plus de 10 vidéos en un jour. Je peux mettre par simulateur, je pense. Cette patence. Oh, et quoi, vieux, tu t'assieds parce que moi je vais pas rester. Qu'est-ce qui. Je cherchais même pas les complications, quoi. Ouais, là y'a personne. Là, ce serait le feu vert, alors on va me toffer ça. Voilà, voilà, feu vert, voilà. Et je vais. Oula, non, on va rester un peu plus calme là. C'est bête à dire, mais sur certains rétroviseurs, oh, regarde, y a pas le dodan. Donc on a 7 km à faire. Au bout là j'ai cru qu'il allait y passer. On sait que là avec cette puissance là on va pas passer du tout. Ouais, rien, c'est bon, tranquillité. Voilà, comme ce genre de truc. Ah tiens, ça n'a pas frotté, mais là j'ai peur que ça frotte. Hein. Ouais non, aussi. Peut-être que le bug a été corrigé, je sais pas. Bon, mais pas 2 heures pour t'asseoir, hein, vieille. Et on n'aura pas le feu vert. Oh, bah ben ça, c'est bien. Je déteste Scania City, oui. Enfin, non, je l'aime bien d'un côté. Du côté, parce qu'il va vite. Et d'un côté, il est là au démarrage. C'est. Pire qu'un cité les. Bah, chez nous, les cités les sont là de l'autre côté, donc. Par certains. Oula. Oula. Là, je me concentre très bien sur ma conduite. Ok, chef. Oh, pas de mal. Heureusement, je ne les suis pas.
On arrête la bagnole. Ça, c'est une chose que je peux vous dire. Mais je la touche pas. Le temps que mon Scania démarre, le produit c'est fini. Voilà. Prochaine fois, je prends Manlian City Arrêter. Et après, je vais encore lâcher un épisode. Tu vois, pourquoi pas? Manlian City Arrêter, il n'y a rien de mal. En plus, il va super bien. Il lui manque pas de patate à celui-là aussi. Bon, là, ça fait un peu beaucoup. Il n'en pense pas. Hein. Oula, 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 ici, ici, aussi, ici, ici, on a intérêt à bien ralentir, je pense. On m'a trop tard, t'as le bus qui commence déjà à sauter la terre. Pire qu'un New AG300. Enfin, chez nous, on a des AG300 et des New AG300. De toute façon, je préfère les New AG300 aux boîtes ZF. Enfin, les New AG300, c'est nous, ils ont le même moteur que nos VDL City à 720. Donc, un moteur d'AFPR de 120 vitesse. Non, de 128, pardon. Les New AG300 avec boîte Void, ce sont les bar 4 et les bar 2. En boîte ZF, ce sont les bar 3 et les bar 1. Donc, ils ont une boîte ZF 6HP 600, 6HP 504. Et nos City, ils ont une boîte ZF 6HP 604C. Hein. Alors, le CTA punaise, il y a aussi une fusée, ça, ça. Ça t'expulse dans les airs, hein. Surtout 479, petit. Keep down, t'es ouf, t'es. Ah oui, le feu vert. Ça va, là, on est bien, là. On est quand même un peu à 17 là. Mais bon, si l'autre m'a freiné à du 10 aussi. Oh, oh punaise, tous les autres véhicules qui n'avancent pas là-devant. C'est bon, ma carrière est ruinée. Mais j'ai raté ma vie là. Trouve au moins quelqu'un qui voudrait. Conduire cette tribu. En plus, j'ai l'impression qu'on a été lui mettre un moteur de je sais pas quoi là. Un moteur de tondeuse. En fait, c'est drôle de bruit. Le Scania, il est beau, il a un beau design, il a tout, il est. Voilà, il est joli. Puissance, c'est pas le top. Vitesse, c'est le top. Mais je pense que c'est le seul des articulés qui a cette vitesse, hein, 120 km/h. Parce qu'il y en a, c'est 80. Mais on dirait trop un man NG, je sais pas quoi, mais c'est pas un man NG, enfin je crois pas, pas à ma connaissance. Enfin, en fait, je sais pas. J'ai envie de klaxonner. Ça va, Jean-Paul. C'est vrai, pour aussi proche la Mercedes-Benz Sprinter. C'est un véhicule que je prends très rarement. Hein. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Mais alors, ouf, t'es la puissance de malade, ce truc, c'est vous dans les airs et tout décolle. Hein. Freine, 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 freine. Vraiment.
Personne ne sort jamais de la troisième remorque, donc ça sert un peu à rien que je sorte de là. Ouais, bon, les portes pour aujourd'hui. Mais à chaque fois, ils sortent à la voix, ça me. Le temps que je perds, bah, j'imagine même pas le retard qu'on aurait quand on scannait Citywide. Alors là, faudrait que ce soit des tout droits un peu de côté. Hein. Attention, pas de véhicule par là, mais un véhicule venant par là. Voilà ce qui va, voilà. Oh, il avance. Oh, il avance le texte, sa bagnole en face. Hein. Bon, allez, c'est bien. Maintenant, tu gazes encore un peu, ça me ferait pas de mal. Hein. Punaise, il freine, il est sérieux. Moi, je prends le tournant à 80 un peu, c'est lui, il prend à 10 en... avec sa bête petite Vito là. Allez, vieux. Eh, franchement, je sais pas c'est qui t'apprend à conduire, certainement ton arrière-grand-mère. Hein. Voilà comment faire des accidents dans le jeu. Allez, moi là je sprint. Et Fifi freine. Hein. Oula, écoute. Hey, la Mercedes-Benz Sprinter, je n'aurais jamais à m'en plaindre, franchement. Alors, ouvre-t-il ce Scania là? Voilà. Mais en réalité, il n'est pas comme ça, hein, parce que heureusement d'ailleurs. Voilà comment racler un petit peu le côté. J'ai même pas réglé, je suis même pas monté. C'est ça le pire. Allez, super, maintenant je peux. Mais qu'est-ce qu'ils vont sortir à l'avant? Hey! Prochaine fois, tu me demandes ma permission. Bon, écoute. Attention, faut pas que les deux dans la trotte ici. Man City, j'ai pas à m'en plaindre. Franchement, c'est. Il est cool, il est bien, il est génial, il est tout. J'ai remarqué un truc sur Man City. Les portes arrière, elles se referment tellement en fait que limite quand la personne. Quand tu veux refermer la porte, bah tu sais quoi, tu mets ton doigt, bah en une seconde la porte elle est déjà refermée. Et ça met 3-4 secondes à se refermer. Enfin ça dépend des bus. Puisqu'un City oui de Man City ou petit, bah alors là. Et tu sais quoi? Oh, à la millième de seconde. Hein. Le centième, le trillième de tout ce que tu veux de seconde, la porte est fermée. Moi je crois que par là tu vois. Non en fait je vais pas prendre par là, je vais continuer par là. Oh en fait, oh là là, ça m'a vraiment manqué. Ouais, quoi, vieux? Moi, je vais vous laisser sur cette vidéo. Je vous dis ciao, à la prochaine.